Je veux dire, je viens dans un gros jour. Un jour, quand nous avons deux gros matchs de football, et le premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la première fois que nous, Jean-Roland, te dit là, nous, le Brésil, vient jouer un match en levée de rideau parce que tout le monde, c'est match Haïti à Otapton. Et je dis, malgré que le Brésil calé et l'Argentine perdu, débat, ce n'est pas ça qui a pris l'actualité à demain. C'est peut-être exploit que monsieur a fait et discussion sur le fait est-ce que nous sommes allés plus loin, est-ce que nous ne sommes pas allés plus loin. Moi, je crois que nous vivons un moment extraordinaire, côté que le monde entier, surtout le peuple haïtien, est capable d'apprécier qui est capable de faire et qui importe ce que nous avons dans la mesure où nous avons longtemps que nous sommes sur le feu des projecteurs. C'est nous-mêmes qui pratiquement qui actualité à travers le monde, mais nous comptons qui nouvelles qui ont c'est boulé, crasé, je dis nous c'est shit hole, instabilité, problème politique, bataille, opposition, puis acheter capitite des salines. Et je dis à nous un seul ambassadeur qui réussit à porter une autre image d'Haïti, qui c'était l'équipe sélection nationale. Ça. Moi-même, dans des pêches que je écrit déjà en tant que membre de la commission sport, je me dit que. Messieurs, avant même le match a commencé, vous êtes déjà mes champions. Parce que c'est la seule entité nationale qui est capable de river, faire peuple haïtien sourire à côté de misère avec l'argent américain qui montait 17 rotaires. Donc, quand même, le sport arrivé, fait nous tous réunis et il fait nous unir. Nous. Donc, moi, je crois qu'au-delà de l'analyse footballistique que nous sommes capables de faire sur ce match-là, je crois que peuple haïtien réservé un accueil chaleureux pour tous les joueurs SAO qui sont des joueurs extraordinaires. J'ai apprécié énormément l'intervention de Jean-Roland, qui lui-même, c'est un joueur que j'ai apprécié en pile, qui conduit le football dans la sélection nationale là. Mais qui comprennent que ça, monsieur SAO fait là, son bagage extraordinaire, effectivement. Un bagage qui n'est pas facile parce que le plus souvent, il s'est toujours à bataille pour dire lui-même qu'il était plus bon. Et des fois, il n'est pas même là, même, et puis il a discuté de par là, et puis il oublie ce qui a passé aujourd'hui. Moi, je pense que. Peuple haïtien fier de performance que vous faites là, parce que pour nous entrer dans l'affaire football là, nous pas fait être nos illusions tout. Pas bien sûr que nous faisons là, je dis à nous réussissons beaucoup parce que certainement, nous n'avons pas qu'être joueurs expatriés qui ont joué, qui n'ont pas dans le même conditionnement ensemble avec nous, qui peut-être habitués avec un certain haut niveau, mis à part quelques trois grands joueurs haïtiens peut-être qui sont capables de titulariser, qui ont joué dans le championnat national là. Il y a une ambiance qui est bon, il y a peut-être une alimentation qui est bon, il y a un entraînement, un rythme qui est bon, il y a un conditionnement physique qui est bon, il y a un sens tactique qui est plus développé tout. Parce que je crois que en tant qu'ancien joueur, je crois que c'est la meilleure équipe de football que j'ai depuis peut-être 82 en Haïti en termes de talent pur. Même je crois que il y a une discipline tactique que je n'ai pas qu'à reprocher. Il y a un conditionnement physique et surtout. Il y a un aspect fondamental qui est dans le football là que les Haïtiens souvent mettent à côté, c'est la morale, la détermination hein, et que en pile, je vais toujours faire. Mais pour le match, moi-même personnellement, entraîneur Marco là, ce n'est pas jamais un entraîneur que moi apprécie personnellement le style de jeu. Je dis merci quand même, ils font très belle compétition, mais personnellement, en tant que monde qui compte football, ce n'a jamais été mon entraîneur. Et je dis à moi, perdu match à son. On pas connaît sous un coup de l'arbitre et mais cependant pas satisfait de gestion match là pas satisfait de gestion match là parce que moi t'ai annoncé dès le départ pour moi même plus grand joueur match Haïti et Canada c'était Alcéus parce que c'était bon, en général monde pas pourrait jouer ça parce que travail grand qu'il a fait mais ça me s'était réussi faire dans mi-temps terrain son bagage extraordinaire parce que équipe là t'ai fait en deux avec Basile devant net, Nazo devant net, et puis Frandi devant, et puis Donald devant, et puis qu'on y a Sabagne seulement Alcéus pour le faire 1-2 avec lui. Il n'y a pas faire 1-2 tout avec Alcéus parce que c'est lui-même qui sentinelle là. Il est obligé à faire passe longue. Monsieur était pas à ton gros joueur dans le match ça tout parce qu'il était réussi en pile passe longue qui fait que nous pas souffrir. Nous étions qu'un Canada dans le gauche. Mais je dis à moi, je dis que si c'est comme ça nous pourrons le jouer, il n'y a pas demandé Basile pour le porter mes fautes. Dans le terrain, face à Mexique, qui sont équipe qui roule le football en pile, n'a pas eu en pile de difficultés. Effectivement, c'est là le match là joué, mais malheureusement, l'entraîneur n'a pas eu ça. Et quand on jaune à Alcéus, il vient faire que monsieur n'a pas cap faire n'importe qui faute encore. Et monsieur vient convertir tête li, comme ce qu'on joue boule tout, ça c'est notre facette. Monsieur vient jouer tant qu'on est cap faire jouer là. Donc, là, on vient retirer Basile et Saba. L'équipe la vient de prendre deux nets et moi que calcul entraîneur, c'est tout simplement le besoin de goal. Nazon était là pour faire goal, il n'a pas fait goal, il retire. Donald était là pour faire goal, il n'a pas fait goal, il retire. Et Pierrot était là pour faire. Mais c'est comme ça le fait changement. C'est pour un entraîneur qui a le match-up, qui garde, qui s'est manqué,
qui fait goal là pas capable faire. Par exemple, nous on dit ça très bien là. On est avec Fandi Pierrot, c'est une pic gros défenseur équipe la te gagne aujourd'hui parce que certainement équipe Mexique généralement capacité c'est que jouer boule, il pas un très grand tireur, hein. Et puis deuxièmement, il y a toujours son bagage qui congénital, qui naturel chez les Mexicains, il y a pas gagne endurance l'autre nation gagne. C'est ça que fait Mexique, elle commence son match, 30 premières minutes, elle dit vous cap, elle pas fait goal, elle a gagne difficulté dans fin match là. Effectivement, nous senti rythme Mexique vient baisser, mais malheureusement entraîneur a tout à tout nous. Nous pas gagne tout qui pour frapper alors que on est avec Koufandi, c'est pas plus grand joueur gagne, mais l'elle campé, il ba un pile problème, l'elle sou pas cap mettre boule sur l'estomac pour après commencer dominer encore, obligé voyer le touche quand même, ça que t'a permettre équipe la respirer, mais malheureusement moi que entraîneur pas trouvé le comme ça. Mais nous pas cap critiquer le tout parce que c'est lui même qui était bon nous qui menait nous là quand même et nous pas nier tout que Mexique pas dans même niveau ensemble avec nous. Nous avons des joueurs qui ont un moment bien déterminé qui fait un bagage extraordinaire mais c'est pas dans même niveau. Nous avons une équipe U17 que soit féminin et garçon tout capable dans compétition. Si pendant ma boue nous aime pas tellement fêter, me pas dire rien. Ça avec un peu de tristesse parce que me songe petit monsieur Donnel et Brunel Fussien, c'est des monde qui ben en pile espoir comme si qui était dans génération table joueur l'autre nèg venu millionnaire yo gros bagarre et puis oublier nèg yo passé comme ça comme il est à la poste et pour pas même carré dans sélection. Donc je dis à moi c'est que nous t'ai fait analyser déjà nous on ensemble deux joueurs qui gagnent plus de 26 ans. C'est pas une équipe qui véritablement nous capable d'en pas préparer pour pas d'autres compétitions. Yo fait ça ou t'es capable de arriver là, moi c'est que peuple ici attend yo ça bat avec Donald Guerrier, on nèg droit au mulat, pas de différence jodi a et moi crois que peuple haïtien pour recevoir monsieur n'importe là avec tous les honneurs que vous méritez. Toujours est-il, lorsqu'on m'a parlé de mes collègues sénateurs, j'ai toujours eu un pile déception. Et il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que je me sens mal à l'aise côté Miami. Je dis tout le monde non, je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise parce que vous posez une question ça, mais il faut que je dise la vérité. Pas de moyen pour quitter ça. Bon, pour me dire ça, c'est si vraiment vous êtes de ton côté, me dire ouais, comme si c'est pas un pays qui t'a parlé parce que même séance, vous n'avez pas fait. On dit séance cap gen moun, séance mette premier ministre, retire premier ministre, c'est celle ça. Mais depuis ces bagages qui gè rapport avec pep football, l'argent, agriculture, l'école, pas raison pa pour moun vinn nan yo. C'est comme ça lié vérité a. Donc moi même m tape toujours présent vinn nan séance comme ça, m travaille avec PP, m redel parce que m nan commission sport. Mais même séance nou pa capable faire, m pa capable di nan pa le faire parce que pour nous réunir 16 zones pour nous faire séance, pa capable. Le président amendement constitutionnel là, c'est ça m proposer yo. Pour faire temps pour nous bonne chance. Vote obligatoire. Ouais, vote obligatoire. Mais malheureusement, il faut que je dise, en tant que monde qui très fréquenté dans la presse, il y a des mêmes débats. Ça pour ta délivrer le pays, alors aborde de vous. Même les journalistes ne sont pas intéressés par les deux. Il y a parlé de l'autre bagaille qui n'est pas intéressé. Vote obligatoire, c'est la seule chance que nous avons là. Ouais, pourquoi j'aime prendre ça? Je dis ça tout le temps dans le micro, je prends ça et puis regarder ça, ça veut dire. Vote obligatoire. Que tout le monde dans le pays a voté. Parce que qui problème aujourd'hui? Aucun problème de. En droit constitutionnel, il y a de délégitimation du pouvoir. Il n'y a pas de quoi dans l'État encore. Il n'y a pas de quoi dans le pouvoir encore. Tellement il y a fait voter pour rien. Quand il n'y a pas intéressé à voter, quand il y a élection, il y a toutes nos spécialités, quelques coquins. Puisque son spécialité est liée, depuis son spécialiste, depuis l'expertise, c'est pour payer. Et c'est ça qui fait que, parle, par exemple, on ne peut jamais gagner côté, il y a un qui pas dans un domaine, il y a toujours mis. Parce que dans l'élection, il y a un sport, c'est vrai, mais il n'y a pas de bagarre politique, il y a voté, il n'y a pas intéressé. Vous pensez que les sénateurs qui prennent l'autre qui parle qui ballon coûte même n'est là pas jambe là n'importe qui monde mettez le dans direction ministère santé là mettez le dans sport là mettez le tout côté ça fait ça parce que au grand circonscription qui gagne près de 31 000 monde qui a voté et puis n'est là député avec 1200 voix sont experts qui balient 1200 voix il doit dire c'est 5 pasteurs qui est dans zone avec deux radios seulement. Donc maintenant s'il devait 15 000 voix monsieur madame 10 c'est lui qui mettez les alter travail pour communauté. Donc je dis c'est seulement ça pour faire parce que gain dirigeant qui là si sénateur pas veut venir travailler député pas veut venir travailler on t'a mérité changer mais est-ce que me garde dit ça pendant là me pas dit pour me changer mais qui monde qui choisit encore c'est peuple là encore peuple là qui choisit encore mais il y a toujours dou que depuis monde ça a monté bon monsieur pas légitime pas de grand pile monde qui t'ai voté il y a 3 millions qui a voté c'est 200 000 seulement qui t'ai voté 300 000 eh bien en nous font gens pour majorité silencieuse là voter je dis pour choisir monde livré. Dit mais malheureusement le type de sénateur que Miam son monde qui toujours dit bagarre l'argent lié pas quoi c'est une belle idée parce que pour qu'on passeport diplomatique et convention vienne sur relation diplomatique dit qui monde qui capable gain passeport diplomatique dès le départ et ensuite penser que quelque part sauf les bail joueurs yo t'a perdre l'autre encore
qu'on le veut ou pas, nos pays qui t'a aimé que sport à ton véritable profession, ce sont des professionnels qui travaillent. Ça veut dire que tu as simplement professionnel, nous avons tous professionnels qui montent en avion, qui allons l'autre côté, qui allons l'autre pays. Et ensuite, ben, on passe pour diplomatique. Mon sélection nationale, c'est pour l'équipe football liée. Il y a après les mondes jeudi, il y a après le demain. Donc, on pas même contrôle qui quantité passe. Non, mais passeport diplomatique, pas en mettre le monde. Des bruits, il pour prendre. Il n'y a pas un bagage qui est personnel de compasse. On t'a avoué que peut-être les labels sont à chaque fois. Le absouti, peut-être, il y a gagné. Bon, il faut que tu vérifies est-ce que tu as accepté que tu as joué football diplomatique. Parce que le passeport diplomatique réservé à certaines autorités politiques dans un pays bien déterminé, où le monde a rempli en fonction. Mais nous disons ambassadeur, nommé comme ambassadeur. Bon, ambassadeur a son façon pour dire que quel que soit le monde, tant que Jean-Jean Roosevelt a été ambassadeur dans un moment, depuis c'est lui-même qui représente nous qui fait nous briller. Mais pas véritablement dans ce sens qu'on vient de Vienne pour gagner tous les privilèges attachés à la fonction de diplomate. Par exemple, Sénat, quand il y a 30 sénateurs, pour faire une séance, il y a 16. Si même pour faire séance, ou même pour faire séance, et séance là, c'est où même l'autre fait séance là, ou qu'à composition. Et puis, ou composition, et puis, au vote, on perd, on gagne, ou pas rien, on gagne. Bon, donc, ça veut dire que. Et ça fait un vote obligatoire, c'est pour nous mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut.